Deux fois par nuit, ce jeune homme se gargarise avec du feu. Pourtant, il ne s'abîme jamais le palais. Quant à lui, eh bien, il passe sa vie à marcher sur des tessons de bouteilles sans même se couper un ongle. Vaudou, trucage. J'avoue que je suis prêt à accepter toutes vos suggestions. Tout de suite, monsieur. Bonsoir, Franck. Que se passe-t-il? Je n'en sais rien. Allez, asseyez-vous. Excusez mon retard. Taisez-vous, avalez ça, vous en avez besoin, on dirait. Simon, écoutez, j'avoue que j'ai eu de la chance. Une fortune que j'évaluerais à 20, peut-être même 30 millions de dollars nous dans les bras. Mais Franck, si on sortait un instant, ça vous rafraîchit. Non, écoutez. Dans l'île de Noka, il y a... Simon va être riche. Il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser. En nous unissant, nous ne leur laisserons rien. Nous allons le planter en haut. Il se reposera. Ça vous ennuie? Moi non, mais la police peut-être. N'y touchez pas. Il est mort. Vous en êtes sûr? Oui. Vous le connaissez? Il s'appelle Cody. Frank Cody. Et moi, Simon Templar. Le saint? C'était un bon ami? Oui, assez. Pauvre garçon. Mademoiselle Clayton? Oui, inspecteur? J'ai entendu dire que vous aviez photographié cet homme très peu de temps après sa mort. Est-ce que c'était que ça? Oui. Voulez-vous me confier votre appareil? En aucun cas. Pourquoi, je vous prie? Je suis Maria Clayton. Vous l'avez déjà dit. Envoyée du journal Photographie du Monde de New York. Bon, voyons, soyez gentil, inspecteur. Je fais mon travail, il est normal que je garde ma pellicule. Non, je regrette. Donnez-moi l'appareil. Je vous le ferai porter à votre hôtel dès demain matin. Je vous remercie. Appelez un taxi pour mademoiselle. Merci, je préfère marcher. Au revoir. Au revoir, mademoiselle Clayton. Prenez-en soin, je vous prie. Il a coûté près de 800 dollars. Je vais au bar de l'Hôtel Royal. Je vous invite, vous me raconterez tout. Mm-hmm. Monsieur Templar, vous avez une certaine réputation ici. Oh, je pense que je dois en être flatté, inspecteur. Vous pouvez le penser, mais votre réputation me déplaît. Cody a parlé à ces gars? Si, un peu. Mais il ne lui a pas dit grand-chose, à mon avis. Cela vaudrait mieux pour lui. Il avait l'air épuisé. Il était en sueur et il murmurait des mots disant qu'il n'allait pas bien. Il s'est écroulé en quittant la table. Vous le connaissez depuis longtemps? Depuis 10 ans environ. Quel était son métier? Et il était chimiste. Il parcourait le monde. Paris, Londres, New York. J'ai reçu un télégramme il y a une semaine maintenant. Et il demandait de le retrouver ici même aujourd'hui à 10 heures. Il a dit pourquoi? Non. Non, à part que ce serait particulièrement rentable. Pour lui ou pour vous? Pour tous les deux. Je peux voir ce télégramme? Ah, mais je n'avais aucune raison de l'emporter. Non, aucune. Je n'ai pas eu l'impression que c'était très important. Bien entendu. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans cette île? Eh bien, il travaillait avec un certain Charles Crayford.
Ah, ouais. Est-ce que cela aurait un rapport? C'est très possible. Le docteur Crayford est différemment considéré par les chiens de ce pays. Une bonne moitié l'adore littéralement, l'autre le hait. Voilà. Nous savons comment il est mort. Hein? Eh bien, monsieur Templar, je pense que ce sera tout. Pour le moment. Merci, inspecteur. Ah, où êtes-vous descendu? Au beach. Ne le quittez surtout pas. Bonne nuit, monsieur Templar. Bonne nuit, inspecteur. Life was made for living and loving and giving and having, romancing and dancing and song. Include that in your plan and you'll wind up a wiser and happier. Bonsoir, man. Monsieur. Bonsoir, une vodka, s'il vous plaît. Tout de suite. Everybody can tell these two are in love and happy as well. Everybody can tell these two lovebirds are happy as well. You can sing calypso till you're deaf and blind. They ain't paying you the slightest bit of mind. He's her beau and she's his belle. And the whole rest of us can all go to... Life voilà, is made for living and loving and giving and having, romancing and dancing and song. Hey, in your plan and you wind up a wiser and happier man. Last week a young fellow got married and settled down to his married life. He was a straight-laced kind of young fellow and only knew the respectable life. Qu'est-ce que je vous sers? Un coup à libre. His wife nearly present him back with the ring. But she said, if you want my advice, take a night out and learn to treat women nice. Life was made for living and loving and giving and having, romancing and dancing and song. Include that in your plan and you'll wind up a wiser and happier man. One thing I like to see is a man enjoying his own company. But the thing I don't like to see is a man suffering his own company. After all is said and done, you'll agree life's too short to miss all the fun. So grab a girl from the shelf, get busy and start to enjoy yourself. Oh, oh, excusez-moi, monsieur. Oh, ce n'est rien. Ça va, ce n'est pas grave, je vous assure, laissez. Sortez donc, vous séchez. Oh, and behold a calamity. My friend here spilled his friend's whiskey. Indeed, a tragedy. My friend here spilled his friend's whiskey. Well, you want to know what I think? You should buy the whole bar a round of drinks. Laissez-nous passer. And between us confidentially, tell the waiter mine is a large brandy. Life was made for living. Allez, vas-y, and loving, and giving and having, romancing and dancing and song. Vite, appelez la police, mademoiselle. Cela nous ramène à l'assassinat de Cody. Le tueur devait penser que Cody vous avait révélé quelque chose d'important. Et peut-être, pouvez-vous me dire ce que c'est? Non. Mais où étiez-vous quand vous avez reçu ce télégramme? À Londres. À Londres. Vous êtes donc parti sans savoir pourquoi on vous demandait de traverser des océans. Et vous êtes arrivé ici à 10 heures. Oh, j'ai horreur d'être en retard et j'étais très heureux de prendre quelques vacances, je dois le reconnaître. Et combien de temps allez-vous rester? Ça dépendra. Oui, je pense aller voir le docteur Charles Crayford demain matin. Pourquoi? Oh, parce que c'est un savant célèbre et parce que je suis curieux. Monsieur Templar, vous n'avez pas le droit d'enquêter sur le meurtre de Cody, que ce soit officiellement ou officieusement, c'est clair. Mmh. Vous le regretteriez, parce que je m'en occupe. Alors pourquoi restez-vous sans rien faire?
Quelle surprise! Je ne parle pas au goujat. Oh, j'ai fait une bêtise. Je vous ai attendu la moitié de la nuit. Voulez-vous m'excuser? Vous savez certainement quelque chose sur la mort de Frank Cody, hein? Rien encore, mais je ne désespère pas. Avant tout, je voudrais que vous me rendiez un service. C'est accordé. La mort de Cody doit rester secrète. Je resterai muette à une seule condition. Laquelle? Vous me donnez l'exclusivité de l'histoire. Avec plaisir. Il est temps que vous me disiez pourquoi vous, vous allez sur Nocaille. Je vais aller déranger le célèbre docteur Charles Crayford dans sa vie toute simple. Je vais prendre un millier de photos de lui et mon journal n'en publiera que 10. Allons et sourire. Bien sûr, Charles Crayford est maintenant bien entré dans la légende de ce siècle, tout autant que Schweitzer. Il a dédié toute son existence à la médecine. C'est un grand docteur. Un héros moderne, si vous voulez. Tiens, on dirait que vous ne partagez pas l'opinion générale. Ma profession me dicte de ne rien croire. Est-ce que vous en récoltez les fruits? Oh, sans arrêt. Je vous avoue que j'ai des confidences de tout le monde et que je n'ai la confiance de personne. Shangri-La en vue à tribord, comme on dit. C'est un vrai paradis. Mademoiselle Clayton? Oui. Moi, je m'appelle Grant. Je dois vous emmener chez le docteur Crayford. Vous devez? Oui, c'est ce qu'il m'a ordonné. Ah oh, bon, eh bien, voici Monsieur Simon Templar. Vous êtes le bienvenu, Monsieur Templar. Merci. Oh, j'espère que ça ne vous ennuie pas si je m'arrête au village quelques minutes. Il est sur notre route et je suis chargé de rapporter plusieurs petites choses. Mais pas du tout. Mais au fait, Grant, est-ce qu'Arlene Blaine fait toujours partie de votre établissement? Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une grossièreté? Madame Blaine est une des femmes les plus généreuses qu'il y ait au monde. Est-ce que c'est vous, Charles? Oh, c'est vous. Pour qui sont-elles? Évidemment pour moi. Ça vous gêne? Oh, ça doit être Grant avec notre invité. Oh, je peux vous conseiller de vous habiller d'une façon plus correcte. Je crois qu'il est utile de vous rappeler les bonnes manières, ne serait-ce que de temps en temps. Hein? Je t'avais défendu de venir me voir ici. Mais j'essaie de vous sauver avant qu'il soit trop tard. Alors, calme-toi. La mort de Cody nous a déjà... Non, pas du tout. Il a eu le temps de parler à un certain Templar qui est ici. Quoi? Grant l'amène à l'instant même avec la journaliste. J'étais sûr que cette histoire finirait un jour par nous exploser à la figure. Simon Templar. Très heureuse de faire votre connaissance. Entrez, je vous en prie. Merci. Voici M. Van der Fell qui s'occupe des achats pour le laboratoire. Mademoiselle Clayton et M. Templar. Enchanté. Très heureux. M. Van der Fell. Excusez-moi. Nous attendions la venue de mademoiselle, mais pas la vôtre, M. Templar. Oh, j'espère que ça ne vous cause pas trop d'ennui. J'ai peur que nous n'ayons aucune chambre. Oh, mais je suis certaine d'avoir dit au docteur Crayford que je serais accompagnée par mon assistant. Je ne fais aucun reportage sans Simon, d'ailleurs. Oh oui, on est habitués à travailler ensemble depuis des années, hein. Monsieur Cody ne revient pas avant mercredi. Monsieur Templar peut prendre sa chambre. Bien, bon, comme vous voudrez. Prévenez Grant, s'il vous plaît.
tout de suite. Excusez-moi. J'ai bien l'impression que M. Van der Velde joue mal son rôle de relation publique. Veuillez l'excuser. Oh, ça n'a aucune importance. Vous voulez bien prendre la pause, mademoiselle? Pourquoi moi? C'est tout à fait normal, vous êtes l'une des trois femmes les plus riches du monde. Vous voulez venir par ici? Voilà, ça ira. J'espère que vous avez de bons retoucheurs. Ce ne sera pas nécessaire. Ah, oh, j'ai eu 40 ans le mois dernier. Et ce qu'il y a de bizarre, c'est que je n'ai aucun regret. Sauf quand je songe à cette incroyable perte de temps et d'argent qui était ma vie quand elle consistait à acheter des robes et à sortir. Ce que toute jeune fille riche doit faire à ce que les gens disent. Mais aujourd'hui, j'ai grandi, heureusement. Ce qui veut dire que vous avez rompu avec tous vos amis? Je crois que j'en avais aucun. Et maintenant, vous donnez votre temps et votre fortune pour le docteur Crayford. Vous avez deviné. Après avoir passé 20 ans à satisfaire mes désirs, ce qui est lassant, je me trouve privilégiée d'avoir le droit de lui apporter ce qu'il me réclame. C'est le plus grand homme vivant que je connaisse. Je crois que nous pouvons aller le voir maintenant. Il se restaure toujours à cette heure. Le laboratoire est de l'autre côté du jardin. Suivez-moi. Excusez-moi. Je dois absolument procéder à ces observations, disons, particulières, toutes les 30 minutes. Vous savez, M. Templar, les cellules pourraient parfaitement être comparées à des briques avec lesquelles serait fabriqué le corps humain. Un trop grand nombre de cellules mal en point entraîne un corps malade. En langage clair, ce que j'essaie de faire, c'est de rendre la plus petite des milliards de cellules qui composent le corps de chaque être humain si résistante et si parfaitement invulnérable que la personne deviendrait totalement immunisée. Contre n'importe quoi? Contre toutes les maladies et pour toute sa vie. Et comment êtes-vous arrivé à ça? Une inoculation de mon sérum est faite à un enfant au moment même de sa naissance et renouvelée deux fois par an. Et cet enfant n'est jamais malade? Jamais. C'est une fabuleuse découverte. La plus merveilleuse de toutes. Mais, docteur Crayford, pourquoi ici, dans ces îles? C'est un endroit plutôt retiré, non? Est-ce que vous ne seriez pas nettement mieux dans un centre médical, docteur? Vous savez sûrement pourquoi je ne suis pas resté aux États-Unis, mademoiselle. Ah, je n'ai jamais entendu votre version de l'histoire. Aux yeux des pays civilisés, ils se désignent comme tels en tout cas, je suis un meurtrier. Il y a 7 ans environ, j'ai été mis en face d'un jeune garçon d'une douzaine d'années atteint d'une maladie incurable. Dans le meilleur des cas, il n'avait que 3 semaines à vivre. À la demande de ses parents, je lui ai fait une injection de mon sérum. C'était un dimanche soir. Il est mort le lundi. Il a été accusé de faute professionnelle. Il a été condamné et ensuite radié. Il y a 200 morts par jour dans des accidents d'automobile. Vous avez entendu, 200. On accepte cet état de fait comme un tribut normal au progrès. Mais qu'un seul enfant soit tué dans l'intérêt de la science, et Charles devient pour tous un assassin. Alors je suis venu à Nokai. Il y a 7 ans. J'ai été aidé financièrement par Arlène et par d'autres. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Charles, s'il vous plaît, venez donc manger avec nous. Je n'ai pas le temps. Mais je vous promets de venir prendre l'apéritif à 6h30, vous verrez que je ne suis qu'un bavard invétéré. Mais je vous crois sur parole, docteur. Je fais les valises de M. Cody, j'en ai pas quelques minutes. On ne vous dérangeait pas, voyons. Je ne peux rester ici qu'un jour ou deux. M. Cody trouvera ça impoli. M. Cody a été tué. Qu'est-ce que vous en savez? Oh, tout se sait sur nos îles, il n'est pas très difficile de se renseigner. Dans ce cas, peut-être pouvez-vous me dire qu'il a assassiné? Non, ça je n'en sais rien. Qui d'autre sait qu'il a été tué? Mademoiselle Blaine l'ignore. Et ce brave Crayford? Non. Pourquoi ça? Parce que je ne lui ai pas dit, c'est tout. Posez ça là, rendez-moi ce service. Laissez les affaires de Cody ici. Comme vous voudrez, M. Templar. Une simple question. Un grand nombre de personnes considèrent le docteur Crayford comme l'un des plus grands hommes du siècle. Et d'autres aimeraient bien l'abattre. Je voudrais que vous me disiez avec qui vous êtes. Eh bien, avec lui, pour le moment. Alors ne changez pas de camp. Oui, entrez. Ah, voilà ma photographe préférée. J'ai fait ce qu'il fallait pour cela, non? Merveilleusement. Qu'est-ce que vous cherchez, Simon?
Je le saurai quand je l'aurai trouvé. Ah, voilà une réponse intelligente. Et je n'ai fait aucun effort pourtant. Non, avec tout le respect que je lui dois, Cody était un très mauvais photographe. Tiens, tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Vous le connaissez? Oui, nous avons fait connaissance la nuit dernière, quand il a essayé de m'abattre. Oh, Simon. On ne peut pas dire que vous soyez inquiète. Vous êtes vivant, on dirait. C'est exact, je me demande où il se cache. Et il a l'air d'être sur un bateau. Mmh. Peut-être qu'il habite dessus. On va voir. Où va-t-on aller? Et où allez-vous quand vous voulez trouver un bateau? Sur le port, peut-être. Bravo. Allons-y. Grant, nous aimerions faire un tour au village. Quels sont les moyens de transport? Bien, la voiture est le plus pratique, mais je vais vous y conduire. Nous préférons y aller seuls, si ça ne nous ennuie pas. Je peux savoir pourquoi? On désire juste prendre quelques photos. On situera l'endroit où habite le docteur Crayford, c'est indispensable. Ah, bon. Je suppose que je n'ai rien à dire. La voiture est devant la porte. Merci. Et les clés sont dessus. Grant. Oui, monsieur. C'est la voiture? Oui, monsieur. Qui est-ce qui s'en sert? Monsieur Templar et Mademoiselle Clayton. Qui leur en a donné la permission? Bien, ils voulaient aller au village, n'est-ce pas? Alors, je vous ai dit une centaine de fois de ne rien faire dans cette maison sans être venu me le demander. Cherchez à louer un bateau? Peut-être voulez-vous aller à la pêche? En fait, nous sommes à la recherche d'un bateau en particulier. Ah, donnez-moi son nom, monsieur, et je vous le retrouverai. Nous voulons celui-ci. Non. Navré, mais je dois dire non. C'est le seul qui ne soit pas à louer. C'est celui de Peter. Est-ce que... C'est lui, là-dessus? Oui, c'est lui. Et il habite dans le coin? Oui. Vous tournez dans la deuxième à droite, vous suivez une sorte d'allée, et il habite au 7 Dugoto. Merci. Mais je peux vous dire qu'il n'est pas ici. Et pourquoi ça? Je l'ai vu partir pour la plus grande île hier soir. Il ne viendra pas avant demain soir. Eh bien, on va l'attendre, merci. Entendu. Et si jamais sa capitaine n'est pas libre, adressez-vous à moi. Oui, bien sûr. D'accord. On peut entrer? Jetez donc un coup d'œil. Quoi faire? Pour n'importe quoi d'intéressant. Simon, arrêtez de me faire marcher. Je suis sûre que la mort de Cody cache quelque chose. Et vous devez savoir ce que c'est. Une fortune qui s'élève probablement à une bonne trentaine de millions de dollars. Expliquez-vous. Je ne sais rien d'autre. Peut-être un trésor enfoui, des pirates ou le capitaine Kidd, une bouteille de rhum. C'est possible. Tout ce que je sais, c'est que Cody était sur une grosse affaire et qu'il m'a demandé de l'aider à emporter le magot. On l'a tué avant qu'il ait eu le temps de me donner d'autres détails. D'une manière ou d'une autre, Peter et son bateau jouent un rôle dans l'affaire. Ça alors? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Notre ami était pilote de ligne. José Soumarès. Peter, pour les intimes. À votre avis, pour quelle raison un pilote de ligne a-t-il décidé de venir croupir dans ces îles et louer les bateaux de pêche? Thank you.
Non, monsieur Templar, je n'ai jamais assez d'argent. Jamais. Les recherches aujourd'hui exigent des fortunes considérables. Alors j'accepte toutes les offres qu'on me fait. Celles des fondations, de gros industriels, des amis même. Il m'arrive de supplier, dans ce monde qui gaspille 3 000 millions de dollars par année en alcool, en tabac et en autres bêtises, je suis obligé de ramper pour 200 000 ou 300 000 dollars et pour quelque chose qui sauvera des millions de vies humaines. Encore une question, docteur Clifford. Vous avez dit que vous habitiez ces îles depuis 7 ans maintenant. Oui. Votre personnel aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Sauf pour Jan van der Velde. Mais vous vous trompez, Arlène. Non, Charles, je peux même vous le jurer. Il est arrivé après cette catastrophe aérienne. Pardon? Je pense à cet avion qui a disparu en mer au large des Caraïbes. On n'en a jamais retrouvé la moindre trace. Des navires ont cherché durant 2 semaines. En vain, malheureusement. Enfin, de toute manière, je me rappelle que c'est après cet accident que Jan van der Velde est arrivé. Oui, peut-être. Mais ça n'a aucune importance. Je commence à être fatigué. Oh, nous sommes impardonnables de vous obliger à rester. Ce fut une soirée très agréable, mademoiselle. Et particulièrement instructive. Docteur Crawford? Oh, je peux vous demander de me confier une liste des fondations et des gens qui ont la gentillesse de financer vos recherches? Eh bien, je ne sais pas si elle est tout à fait à moins que vous pensiez que c'est confidentiel. Mais bien sûr que non. Je vous en taperai une complète dès demain matin. Bonne nuit, Charles. Bonsoir, docteur Crawford. Vous êtes devenu fou. Vous allez tout cacher, pauvre idiot. Je n'aurais rien appris, voyons. Vous n'avez aucun droit sur nous. Pour qui vous prenez-vous? Je saurais bien vous l'apprendre. Ouais, d'accord. Oui, je sais, vous êtes un grand savant. Vous voulez sauver des quantités de vie, bien. Mais vous n'allez surtout pas ruiner tout ce que j'ai entrepris ces dernières années, vous entendez? Vous entendez? Tout ce que vous tirerez de la Mijaurée avec son appareil, c'est une photo dans un petit magazine. Et ce Templar qui s'intéresse à vos problèmes d'argent. Je vous ordonne de vous en débarrasser, vite, demain matin. Écoutez. Une petite année, et c'est fini. Vous ferez ce que vous désirez. Mais si vous essayez de tout cacher maintenant, je vous jure que je vous tuerai.
Je vous assure que j'en suis encore abasourdi. Qui a pu faire une chose pareille? Alors, je suppose que c'est l'homme qui a tué Frank Cody. Est-ce que je dois comprendre que Frank Cody a été abattu la nuit dernière dans un cabaret de la ville? J'ai beaucoup de mal à le croire. Il m'a demandé quelques jours de congé et il devait rentrer seulement jeudi. Est-ce que la police a une idée du tueur? Probablement une très vague idée, mais vous aurez bientôt de ses nouvelles. C'est terrible. Je suis heureux de cette réaction. Monsieur Templar, cette mort m'attriste autant que vous, je vous assure. Et si vous enquêtez sur l'assassinat de Frank, vous pouvez compter sur mon entière coopération. Alors merci, docteur. Et bonne nuit. Pourquoi ne m'a-t-on pas mis au courant pour Cody? Je voulais que vous ayez une réaction normale. Mais pourquoi? Vous voyez une quantité de choses à travers votre microscope. Mais ce qui crève les cieux vous échappe. Alors dites-moi pourquoi. Il l'a fait découvrir. Mais on aurait pu procéder autrement. Vous savez bien que non, docteur. Il vous fait chanter? Non. Il a donc un moyen de pression sur vous. Je vous en prie, ne me posez aucune question, surtout pas ce soir. Je savais que vous aviez un motif très sérieux pour le garder avec nous. Un grand nombre de fois, je l'ai surpris en train de vous parler d'une façon que vous n'auriez accepté de personne d'autre. Cela ne vous regarde pas, Arlène. Laissez-moi. Cela ne me regarde pas, vous dites. Ah, Charles, après tout ce que j'ai fait pour vous. Vous l'avez fait parce que vous le vouliez. Je ne vous ai jamais rien demandé. C'est exact, oui, Charles. Ne dites pas un mot de cette histoire. J'espère que c'est clair. Pas un mot de quoi? De l'avion, par exemple. De l'assassinat de Cody. De son meurtrier. Je me gênerai. Qui a pu faire ça? J'en sais rien. Vous ne suspectez pas très fort? Je suspecte tout le monde. D'une manière ou d'une autre, cette histoire est liée aux photos de Cody. Il n'y a rien d'original. Le paysage, Arlène, Crayford, Peter et son bateau. Mais il faut dès son retour que nous allions parler à ce Peter. Il y a encore ceci, mais qu'est-ce que c'est? C'est une petite tour. Ça, j'aurais pu le trouver toute seule. Est-ce que vous allez bien ce matin, Monsieur Templar? Oh oui, mais j'ai eu de la chance. Oh, le docteur Crayford a vraiment été bouleversé par cet incident. Où est-il? Il est avec Monsieur Vanderfeld dans son laboratoire. Mademoiselle Blunt? Elle est encore dans sa chambre. Grant, est-ce que vous savez où elle est située? Cette petite tour est connue par ici. Elle est au milieu d'une vieille plantation à l'autre extrémité de l'île. Merci. Est-ce que je pourrais utiliser la voiture ce matin? Eh bien, désolé, Monsieur Templar, mais c'est Monsieur Vanderfeld qui doit vous en donner la permission. J'y vais de ce pas. Monsieur Vanderfeld, est-ce que je peux emprunter votre voiture? Non? Alors, merci beaucoup. Il est très gentil, vous voyez. Je voudrais bien savoir ce qu'on va découvrir. Eh bien, il n'y a qu'à espérer qu'on la prenne quand on fouillera cette tour. Il n'y a rien d'original? Il le faut bien pourtant. Si on l'a fait tuer, c'est que Cody
l'avait trouvé. Attention aux pieds. Eh bien, on va partir en exploration. Vous tenez vraiment à descendre là-dedans? Vous êtes mon chef, alors c'est vous qui devriez passer devant théoriquement. Bien y avoir là-dedans. De l'or, ma chère. C'est ça, son trésor. On ne peut rien vous cacher. Elle n'a pas eu le temps de souffrir. Hey, Vargas! Il y a une voiture derrière la tour. Maintenant, nous allons jouer à, disons, une légère variante de ce jeu si amusant, la roulette russe. Ce qu'il y a d'intéressant dans ma variante de cette roulette, c'est que je suis certain de gagner. Alors que l'un de vous deux est sûr de perdre. Une seule balle. Dieu sait où. Bon. L'un de vous a tué Frank Cody. Et vous avez tous les deux essayé de m'abattre. Donc, si vous tenez un tant soit peu à ce qui vous sert de cervelle... Vous parlerez. Simon, de quel droit? Vous avez changé de camp? Vous vous appelez José Soumarès. Vous êtes pilote de ligne. Et alors, espèce d'idiot.
Je vous signale que les chances de ne pas recevoir de balles qui étaient de 5 contre 1 sont maintenant de 4 contre 1. Cet or, d'où est-ce qu'il vient? C'est Goldfinger qui nous l'a apporté, monsieur. Il a enfin dévalisé Fort Knox. Maintenant, plus que 3 contre 1. Donc, vous vous appelez José Soumarès et vous êtes pilote de ligne? Non. Il faudrait savoir, mon vieux. Attention, la chance finit toujours par tourner. Non, arrêtez. José Soumarès? D'accord. Oui. L'avion s'est écrasé? Oui. Les lingots étaient à bord? Oui. Comment vous êtes-vous arrangé? J'étais avec Van de Velde, c'était mon navigateur. On a sauté en parachute et j'avais dirigé l'avion pour qu'il s'écrase dans l'eau près de la plage. Il nous a fallu à peu près 2 heures pour vider l'appareil de sonore. Ensuite, on a tiré la carcasse de la carlingue dans les eaux plus profondes. Après de quelques jours, les autorités ont cessé les recherches. Bien manœuvré. Oh, et qui est-ce qui a tué Cody? C'est lui. Tais-toi! Je ne tiens pas à être tué à cause de toi, pauvre idiot. Et si on parlait d'Arlen Blend? C'est Van der Velde, il a été pris de panique. Elle allait parler. Alors peut-être que Crayford est au courant? Pourquoi n'allez-vous pas le questionner? C'est une excellente idée. Eh bien, chers amis, je vous salue bien. Et ne vous inquiétez pas, la police viendra vous chercher dans un jour ou deux pour vous conduire en prison. Oh, pauvre crétin! Eh bien, maintenant, nous allons avoir un sérieux entretien avec le docteur Crayford. Sans moi, alors? Ah, pourquoi? Ce que vous avez fait là-bas est la chose la plus horrible à laquelle j'ai jamais assisté. C'était de la pure psychologie. Vous avez couru le risque d'abattre un de ces hommes en 2 occasions. En aucun cas. Il n'y avait pas de balle dans le baril, hein, Maria chérie. Nous voudrions vous parler, docteur Crayford. Je ne peux pas interrompre ce travail. Il a plus grande importance. Je vous annonce la mort d'Arlène. Van der Velde l'a tué. Nous l'avons trouvé dans une petite tour que vous connaissez, à côté des lingots d'or. Oh, pourquoi a-t-il fait ça? Je suis réellement bouleversé. Ça ne m'étonne pas, Crayford. Vous devez me comprendre. Quand j'ai rencontré Van der Velde, j'avais désespérément besoin d'argent. Il m'a dit qu'il allait transporter une fortune en lingots d'or des Bermudes à Georgetown. Alors, on a organisé cette opération avec son pilote. Mais il fallait surtout nous débarrasser lentement de cet or. À peine 2 lingots par mois pour ne pas attirer l'attention sur nous. Alors j'ai accepté de le cacher sur cette île. En échange, ils m'ont donné l'argent pour mes expériences. Laissez-moi continuer, je vous en prie. Vous me demandez d'ignorer ces 2 assassinats? Templar, je vous en supplie, à genoux. Je vous assure que je suis profondément peiné pour Cody et Arlène. Mais essayez une seconde de voir l'avenir. Mon sérum sauvera bientôt des millions de vies. J'apporte au monde la garantie d'une vie nouvelle, saine. Oui, à tous les peuples, à toutes les races, aux personnes qui l'accepteront. Cody et Arlène sont morts maintenant. Il faut les oublier. Et au contraire, penser aux vivants. Je vais bientôt terminer la mise au point finale. Mais surtout, ne m'arrêtez pas. N'ayez crainte. Vous l'avez dit, docteur. Il n'y a aucune différence entre 2 ou 4 meurtres. Yann, attendez. Vite, donnez-moi votre parole de ne rien dire. Arrêtez ces singeries. Ils avertiront la police dès qu'ils seront sortis d'ici. Pardonnez-moi, j'en avais assez de tous ces meurtres. Eh bien, monsieur Templar, je crois que vous n'aurez pas le plaisir d'aller me livrer, hein? Police. J'avais décidé de ne rien dire. Votre travail est trop important. Mais ce qui est triste, c'est que je ne pourrais pas le finir. C'était vraiment un grand homme. Mais il avait tort, sur bien des points, je crois. Avait-il vraiment tort? C'était pas sûr.